J'enlève mon masque pour parler, je suis à distance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Schneider et en tant que vice-présidente de l'association Lecture Plurielle, eh bien, j'ai le plaisir de vous accueillir ce matin. Donc j'ai plusieurs petites infos à vous partager, rapides. J'avais envie de vous dire merci, super, ça va être une super journée de m'arrêter là, mais non, il faut que j'en fasse un petit peu plus. Donc déjà, j'ai des remerciements à faire à nos tutelles, sans qui la manifestation aurait bien du mal à exister. Donc nous remercions le Conseil Savoie-Mont-Blanc, la délégation académique aux arts et à la culture de l'Académie de Grenoble, la délégation régionale des affaires culturelles de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le CFC, Centre français d'exploitation du droit de copie. C'est grâce essentiellement aussi à leur soutien qu'on peut organiser cette journée. Un merci aussi aux intervenants qui vont être avec nous tout au long de la journée. Donc Inès Casalas, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée à l'Université Paris-Diderot. Et puis ensuite, nous accueillerons Jihad Darwish, qui est un conteur... j'ai envie de dire qu'on ne présente plus, mais que pour ceux qui ne connaissent pas, vous aurez le plaisir de découvrir. Et puis, en fin de matinée, Charlotte Théot, qui est chargée des projets et du développement culturel au Centre des Arts du Récit. Je dois aussi vous donner quelques consignes pour le déroulé de la matinée et pour respecter les consignes sanitaires. Donc, on vous demande de respecter les places auxquelles vous êtes, de ne pas bouger, enfin de rester aux places, de garder vos masques, de respecter les distances et les gestes barrières. Vous indiquez aussi que si vous avez donc un ticket qui vous a été remis à l'entrée ce matin, si vous vous êtes inscrit pour la journée, vous gardez ce ticket, il vous servira pour entrer cet après-midi. Si toutefois vous quittez dans la matinée ces rencontres et que vous ne pensez pas revenir, merci de déposer le ticket à l'accueil. Il permettra éventuellement à d'autres personnes de rentrer. Je crois que j'ai rempli à peu près toutes les consignes de la matinée. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon moment ensemble. Et puis je passe la parole à Inès. Bonjour à toutes et à tous. Lorsque Daniela Faraille m'a appelée cet hiver, elle m'a demandé il faudrait que tu nous présentes le conte des origines jusqu'à nos jours en une heure. Donc il y a eu un petit blanc dans la conversation. Et puis j'ai accepté, je me suis dit que j'allais essayer de relever le défi. Et pour cela, je vous propose un parcours en trois étapes. D'abord, je vais me demander d'où viennent les contes, c'est-à-dire qu'on va se plonger dans la nuit des temps. Ensuite, je m'intéresserai à la circulation des contes entre l'écrit et l'oral. Et enfin, je me demanderai quel sens cela peut avoir de raconter des contes aujourd'hui. Et puis après, j'espère qu'on pourra avoir un temps de discussion, puisqu'on a la chance d'être ensemble dans ce beau lieu. Et je voudrais d'ailleurs remercier chaleureusement toute l'équipe grâce à qui cette journée et ce festival peut avoir lieu. Une précision aussi avant de me lancer dans cette grande traversée. Je vais m'appuyer sur un certain nombre d'ouvrages, d'articles, mais je ne vais pas toujours mentionner ces références pour enlever les notes de bas de page. Mais je pourrai bien sûr vous communiquer toutes ces références par mail si elles vous intéressent. Alors pour commencer, cap sur la nuit des temps. C'est une expression très stéréotypée. Quand on est enseignant, en général, on conseille de ne surtout pas l'utiliser, elle est proscrite. Mais il me semble qu'elle est d'une grande justesse pour parler de l'origine des contes. La nuit des temps peut d'abord renvoyer très concrètement à l'apparition de la parole. Selon l'anthropologue Marcel Jousse, et puis selon plusieurs préhistoriens, si le langage sonore a prévalu sur le langage gestuel, c'est parce qu'il avait des pouvoirs supérieurs, et notamment
celui de pouvoir être entendu, de pouvoir être perçu la nuit. Alors d'abord par le cri, puis par la parole articulée. Donc le conte, ce serait une parole de nuit, une parole faite pour apprivoiser l'inconnu, les peurs, les malheurs. Et d'ailleurs, dans plusieurs sociétés traditionnelles, on ne peut commencer à raconter des contes qu'une fois le jour tombé. La nuit des temps, cela renvoie aussi à des temps si anciens qu'il défie le savoir historique et les certitudes. Et en effet, l'origine des contes se perd dans cette grande nuit des premiers temps de l'humanité. Alors, ce sont des récits oraux, fictionnels, relativement stables, qui se transmettent donc oralement, sans qu'on sache qui en est l'auteur. Ils sont donc anonymes et ils appartiennent à la mémoire collective. Alors dans cette nuit des temps, qu'est-ce qui nous permet de différencier les contes des mythes ? Ce n'est pas une différence d'ancienneté. Dans de nombreuses sociétés, le conte et le mythe coexistent historiquement, comme l'a montré entre autres Lévi-Strauss. Donc ce ne sont pas les mythes qui ont donné naissance aux contes ou les contes qui ont donné naissance aux mythes, même si ces théories contraires ont été longtemps soutenues. Donc il n'y a pas de filiation systématique. Est-ce qu'il y aurait une différence de fonction sociale ? Alors ça, c'est la thèse de Mircea Eliade, qui est historien des religions. Et pour lui, le mythe, c'est un récit des origines qui, je le cite, répond à un profond besoin religieux, à des aspirations morales et à des impératifs d'ordre social et même à des exigences pratiques. Là, on est bien embêté parce que le conte répond aussi à ces fonctions. On ne le perçoit plus forcément parce que dans la vision moderne, le conte, c'est un divertissement, une belle histoire, voilà, qui permet de s'évader. Mais dans les sociétés traditionnelles, le conte était perçu comme n'ayant pas du tout cette fonction ludique ou voilà, esthétique. Le conte, c'était avant tout, et c'est avant tout, le vecteur d'une mémoire. Donc, lorsque le conteur ou la conteuse parle, eh bien, ce sont les ancêtres qui parlent à travers leur bouche. Et cette parole du passé, elle a une fonction morale. Elle véhicule des mises en garde, des modèles de comportement. Donc on ne peut pas, si vous voulez, se contenter de placer le conte sous le signe du léger et les mythes sous le signe du sérieux. Alors, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une différence dans le type de passé qui est pris en charge ? C'est-à-dire que d'un côté, on aurait le mythe qui évoquerait le temps de la création du monde, et puis de l'autre, on aurait le conte qui prendrait en charge un temps indéfini, celui qu'on entend dans « Il était une fois » ou dans « Écric et crac, le conte va sortir du sac » ou dans « Il était et il n'était pas ». Bon, voilà, ce temps voilà, indéfini, mais qui permettrait d'évoquer le social, le local. Alors c'est vrai que le conte est souvent du côté du petit, du quotidien, j'y reviendrai. Mais là encore, cette distinction bien commode, elle est brouillée par le fait qu'il existe aussi de très nombreux contes étiologiques, c'est-à-dire des récits des origines qui vont nous expliquer pourquoi les zèbres ont des rayures, pourquoi les arbres portent des fruits. Donc les contes peuvent aussi remonter au temps de la création du monde, au temps où les bêtes parlaient. En plus, au-delà de cette envergure temporelle, on a des trajectoires de héros de contes qui ont vraiment une ampleur métaphysique ou cosmique. On trouve par exemple de nombreux voyages au royaume des morts. Alors, le royaume des morts peut se situer soit au milieu de la forêt, soit sous terre, soit sous les eaux. On a aussi d'autres contes, par exemple, où on va rechercher un proche qui a disparu. Et pour cela, on va aller interroger le soleil, la lune, les étoiles. Bon, dans le genre étriqué, on fait mieux, hein, donc évidemment, cette opposition d'échelle ne fonctionne pas vraiment, parce que le conte touche aussi au sacré, au cosmique. Et d'ailleurs, dans certaines sociétés, il y a une grande continuité entre le conte et le mythe.
excusez-moi, je vais tousser sagement dans mon coude et boire un petit peu. Donc, par exemple, l'anthropologue Geneviève Calame-Griol, elle montre que chez les Dogons, le conte permet finalement de donner accès au mythe, ça en donne une version plus accessible et qui a une grande continuité. Alors finalement, c'est peut-être dans la tonalité du récit que résiderait la différence la plus éclairante. Alors, c'est notamment ce que dit le philosophe Walter Benjamin dans un très beau texte qui s'appelle Le conte. Le mythe, c'est ce qui confronte au sacré, c'est-à-dire à ce qui fait trembler, à ce qui fascine, à ce qui horrifie. Tandis que le conte, lui, va apprivoiser le sacré. Donc en fait, les deux genres brassent la même matière narrative, mais pas de la même manière. Alors, on peut prendre le thème du fratricide. Alors on en trouve de très nombreux dans toutes les mythologies du monde. Et en général, ces fratricides mythiques nous confrontent à la haine dans ce cas-là vraiment d'irrémédiable et de tragique. Par contre, dans le conte, si on prend l'oiseau de feu, eh bien, on a les frères d'Ivan Tsarevitch qui sont jaloux de leur cadet parce qu'il a réussi à surmonter toutes les épreuves. Donc ils vont décapiter leur petit frère, s'emparer de sa promise, de son cheval à la crinière d'or et de l'oiseau de feu. Seulement, Ivan Tsarevitch est protégé par un loup, le vieux loup gris. Et ce loup gris va aller voir le corbeau et va obtenir de ce corbeau qu'il aille au-delà du 29e pays, dans le 30e royaume, et que de ce royaume, il ramène la fiole d'eau vive et la fiole d'eau morte. Et avec ces deux fioles, il va ressouder le corps d'Ivan Tsarevitch et le ramener à la vie. Donc le fratricide est en quelque sorte résorbé par le conte. Autre exemple, dans le panthéon grec, on trouve Hestia. Donc Hestia, c'est la gardienne du foyer. C'est celle qui reste à la maison pendant que son frère Hermès, avec ses semelles de vent, va parcourir le monde entier. Alors dans le conte, le double d'Hestia, c'est Cendrillon. Et Cendrillon, elle fait entendre la contradiction dans laquelle se trouvent les jeunes filles, à savoir qu'il leur est interdit de quitter le foyer et que pourtant, elles ont très envie de le faire. Et donc, la force de ce conte, du conte de Cendrillon, ça va être de dessiner une trajectoire initiatique qui va permettre de surmonter cette contradiction. Ce qui fait que Cendrillon offre un modèle de celle qui réussit à ne pas finir vieille fille, qui ne finit pas comme Hestia. Donc, pour récapituler ce qu'on peut retirer de cette comparaison entre le conte et le mythe, je dirais très simplement que le conte, c'est une histoire qui finit bien, et c'est une histoire souvent, et que c'est une histoire qui fait du bien. Mais ce n'est pas parce que le conte est moins sérieux que le mythe, puisque lui aussi affronte les grandes questions de la vie, la naissance, l'amour, la mort, les conflits, le pouvoir, la liberté. Voilà. Mais simplement, je dirais que sa position existentielle face à ces grandes questions n'est pas la même. C'est-à-dire que le conte va se confronter au tragique, mais va l'abolir en inventant des issues réparatrices. Donc le conte a des enjeux cruciaux, mais il les cache en quelque sorte. Il les cache en se présentant comme une fabulation, comme un mensonge. Et ces contes ont l'air d'autant plus inoffensifs que, je l'ai dit, ils se déroulent souvent dans un espace-temps indéfini. Et d'ailleurs, plusieurs spécialistes disent que c'était peut-être une sorte de ruse qui permettait de poursuivre une forme d'initiation, comme dans les mythes, mais sous le manteau de la fiction. Donc finalement, les mythes, ce serait les rituels se seraient déguisés en contes merveilleux, pour pouvoir continuer à exister malgré la censure de l'Église, par exemple,
ou malgré l'interdiction faite aux esclaves dans les plantations de raconter. L'interdiction faite d'avoir des rituels religieux et initiatiques. Donc on a une sorte de porosité relative entre le conte et le mythe qui montre bien qu'on ne peut pas du tout enfermer le conte dans une définition aux limites bien arrêtées. Alors il y a une autre caractéristique qui fait qu'il est difficile à saisir, c'est qu'il circule, et notamment il circule constamment entre l'oral et l'écrit. Et donc j'en viens au deuxième temps de ce parcours. Alors pour beaucoup de personnes, le conte, c'est un livre qu'on lit aux enfants le soir pour les endormir. Or, cette pratique, c'est une construction culturelle qui est très récente dans l'histoire longue, puisque pendant très longtemps, le conte a circulé massivement à l'oral, et que s'il a traversé des siècles et des siècles, c'est souvent sans le support du livre. Donc je vais vous présenter quelques grandes caractéristiques de cette oralité. Bon, même si je sais qu'il est toujours difficile d'énoncer des généralités, c'est toujours un petit peu périlleux. Donc ce que je vais affirmer, il faudrait bien sûr l'affiner en fonction de contextes culturels qui sont toujours singuliers. Donc le conte, il est raconté à l'oral dans des temps collectifs, qui sont souvent associés au repos. Et ces temps collectifs, ils peuvent être réguliers, ou bien ils peuvent être exceptionnels, être associés à des fêtes, par exemple. Mais ce qui est important, vraiment, de retenir, c'est que les contes rassemblent toute la communauté. Les veillées ne sont pas destinées spécifiquement aux enfants. Tous les adultes y assistent, toutes les générations, et les enfants sont autorisés à y assister aussi, dans la mesure où ils ne vont pas s'endormir tout de suite. Donc ça mélange les hommes, les femmes, les générations. Peut-être on peut aussi quand même nuancer au sens où à côté de ces veillées collectives, il y a aussi des veillées qui sont associées à des temps de travail, c'est-à-dire qu'on se raconte aussi des histoires pendant le temps de travail. Et à ce moment-là, comme la répartition des tâches est très genrée, on va trouver des assemblées d'hommes qui vont se raconter des contes en travaillant. Ça peut être des bûcherons, des vanneurs, des bergers, ou des assemblées de femmes qui vont raconter entre elles en brodant, en filant, en cousant. Donc, c'est parfois associé à des répertoires spécifiques. Mais sinon, le conte s'adresse à tous. Donc tout le monde écoute des contes. En revanche, tout le monde n'en raconte pas. Et il y a une différence très nette dans les cultures orales entre, d'un côté, disons, les devinettes, les proverbes, les anecdotes, les chansons. Alors ça, tout le monde peut les raconter pendant l'éveillé. Et puis de l'autre, il y a les contes merveilleux, les contes, et notamment les contes merveilleux, qui demandent un art de la parole particulier. Alors, comment apprend-on cet art ? Il va en être beaucoup question aujourd'hui, donc je vais évoquer ça très rapidement, mais les modes de transmission varient selon les lieux, selon les métiers, selon les époques. Parfois, on peut apprendre d'un parent conteur ou d'un ancien. Parfois, on peut apprendre de façon plus souple en écoutant d'autres raconter. On peut raconter seulement des histoires qu'on a apprises dans l'enfance, ou bien on peut continuer à apprendre des contes en étant adulte et continuer à enrichir son répertoire. En tout cas, moi, ce que je voudrais souligner ici, c'est que finalement, les cultures orales, elles font bouger nos repères occidentaux, modernes, qui nous font penser que d'un côté, il y aurait la littérature, qui serait constituée de textes signés par des auteurs et des autrices. Et puis de l'autre, on aurait une masse indifférenciée, la tradition orale. On voit bien que du côté des personnes qui racontent, on ne peut pas mythifier cet anonymat. Chaque conteur, chaque conteuse a son style. Alors ça passe bien sûr par le choix de répertoire, par le style de la narration, mais aussi par la façon de poser sa voix,
par la qualité des gestes, la qualité des silences, la diction. Donc voilà, ce serait... Enfin, bien sûr, ce serait absurde de parler des conteurs et des conteuses comme des auteurs au sens moderne du terme, mais je pense qu'on peut quand même se montrer sensible à, je dirais, des formes d'auctorialité subtiles, des styles voilà, qui en fait engagent la performance orale et tout le corps. Quoi. Et puis, du côté des personnes qui écoutent, on ne peut pas non plus mythifier une sorte de réception passive, voilà, parce que finalement, le rôle de l'auditoire est décisif. Le comptage, finalement, il est à mi-chemin entre la création et l'improvisation. Et c'est une pratique qui se fait sous le contrôle direct de l'auditoire. C'est-à-dire que, en fonction des réactions de l'auditoire, eh bien, les comptes vont être remodelés, certains éléments vont en être exclus, ça peut être des éléments anciens qui d'un seul coup vont disparaître, ou au contraire des éléments nouveaux proposés par le conteur et la conteuse qui bon, ne vont pas passer deux, trois racontés. Voilà, donc la transmission orale, c'est évidemment pas une matière immuable, elle s'enrichit, elle s'adapte aux générations successives. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dire que le public est simplement récepteur. Et on peut parler, aller jusqu'à parler de public comme co-énonciateur, finalement. Voilà, donc ça c'était quelques idées générales sur la transmission orale, mais évidemment le conte ne se cantonne pas à la sphère de l'oralité. Et d'ailleurs, la première trace écrite de ce genre littéraire, c'est le conte égyptien Les Deux Frères, qu'on a retrouvé sur un papyrus datant du XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et puis ensuite, on reconnaît la présence de contes traditionnels dans diverses œuvres littéraires qui s'en nourrissent. Alors parfois, ces œuvres littéraires sont anonymes, comme le premier recueil des Mille et une nuits, qui commence à circuler à partir du IXe siècle. Et puis, le plus souvent, ces œuvres littéraires, elles sont signées par des auteurs. Alors, c'est bien sûr impossible d'en faire un panorama complet, mais on peut donner quelques jalons. On reconnaît, par exemple, des contes de tradition orale dans le roman d'Apulée, L'âne d'or, donc IIe siècle avant notre ère. On le reconnaît aussi dans les Lais de Marie de France, ou encore dans les romans de chevalerie. Et puis, à la Renaissance, paraissent en Italie deux recueils de contes littéraires qui sont très largement inspirés par la tradition orale. Alors, il s'agit des Nuits facétieuses de Straparole et puis du Pentamérone de Basile. Alors, c'est vrai qu'on les connaît moins en France, mais ce sont deux recueils très très précieux parce que parfois, en fait, c'est la première version écrite qu'on a de certains contes oraux. C'est vraiment les versions les plus anciennement attestées. Alors, les contes de fées deviennent une vraie mode littéraire à partir de la fin du XVIIe siècle, et c'est dans ce contexte, en 1697, que paraissent les contes du temps passé de Charles Perrault. Alors, c'est un recueil qui a tellement marqué la conception que l'on se fait du conte en France que je vais m'y arrêter un peu. Donc, il contient 8 contes, ce qui est peu finalement. Il y a La Belle au bois dormant qui est empruntée à Basile. Riquet à la houppe, qui semble avoir été inventé par Perrault. Et puis, on a 6 autres contes qui, par contre, eux, sont tous empruntés à la tradition orale populaire. Le Petit Chaperon Rouge, La Barbe Bleue, Le Maître ou le Chaboté, Les Fées, Cendrillon et La Pantoufle de Verre, et puis Le Petit Poucé. Mais il s'agit, bien sûr, d'adaptations littéraires. Donc, les contes sont remaniés pour plaire à la cour de Louis XIV, et plus généralement pour plaire à un public mondain, ce qui va se traduire par des changements importants par rapport à la tradition orale. Alors d'abord, la censure. C'est-à-dire que Perrault supprime tout ce qui pouvait choquer la bienséance de l'époque. Ensuite, la quête de vraisemblance. C'est-à-dire que Perrault est quand même... pas tout à fait à l'aise avec le merveilleux, et il fait en sorte que les intrigues paraissent plus réalistes. Par exemple, il va leur donner un ancrage psychologique, sociologique, assez développé. Je ne sais pas, dans Barbe Bleue,
Il fait des descriptions très longues, très détaillées des richesses matérielles accumulées par Barbe Bleue. Et on trouve par exemple l'objet dernier cri que tout le monde s'arrache à la cour, à savoir les miroirs en pied que les manufactures royales commencent à fabriquer. Voilà, donc il y a un certain nombre de clins d'œil avec ce public mondain. Et justement, à propos de clins d'œil, il n'y a pas que des clins d'œil matériels, il y a aussi des clins d'œil ironiques. Et ça, c'est un peu la troisième marque de fabrique de Perrault. C'est-à-dire qu'il a une distance narquoise à l'égard du merveilleux. Et il va sans cesse marquer sa connivence avec le public pour partager une certaine supériorité sociale. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on va prendre du plaisir à raconter ces histoires qui viennent du peuple, tout en montrant qu'on n'en est pas dupe. Donc, on n'est pas crédule, on n'est pas comme le peuple, on n'est pas comme les enfants, et parce qu'au fond, ces histoires avec lesquelles on s'acoquine un petit peu, eh bien, elles leur seraient surtout destinées à eux, les enfants. C'est un amalgame qui apparaît très nettement sur le frontispice de l'édition originale des Contes du Temps Passé. Donc en 1697, quelle illustration a-t-on ? Une paysanne qui file au coin du feu avec des paysans, avec des enfants autour d'elle. Et donc elle raconte au coin du feu. Donc ce qu'on nous suggère avec cette illustration, c'est que finalement, les contes, ce sont des histoires de vieilles femmes, des contes à dormir debout, pour les enfants. Cette association entre le conte et le public enfantin, elle se confirme au début du XIXe siècle avec la parution des contes d'enfants et du foyer, on l'entend déjà dans le titre, des frères Grimm. Alors bon, il faut préciser que l'entreprise des Grimm diffère beaucoup de celle de Perrault, puisque là, il ne s'agit plus de séduire un public mondain. On est plutôt en plein romantisme. On est dans une Europe qui est occupée par les troupes napoléoniennes et où le sentiment national émerge. Et donc, il s'agit plutôt de revaloriser un patrimoine folklorique, populaire, de remonter à la source de la nation. On veut retrouver le Volksgeist, l'esprit du peuple, l'authenticité. Voilà, donc c'est un projet, si vous voulez, à la fois culturel et politique. Du point de vue culturel, il s'agit de contester l'hégémonie française, le classicisme. Et puis, du point de vue politique, eh bien, c'est un changement de paradigme. C'est-à-dire que la source de légitimité du pouvoir, ce n'est plus la monarchie de droit divin, c'est le peuple. Alors l'autre différence entre Perrault et les frères Grimm, c'est que les frères Grimm, ils font une immense collecte. Il y a plus de 200 contes. Et ils se veulent quand même très respectueux de la matière qu'ils récoltent, de la langue aussi dans laquelle ils collectent ces contes. Et donc en ce sens, ils ont vraiment ouvert la voie à ceux qu'on a d'abord appelés les folkloristes, et puis ensuite les anthropologues, les ethnologues. Donc, les Grimm n'ont pas du tout le même projet que Perrault. Pourtant, l'illustration témoigne aussi du fait que ce stéréotype du conte pour l'enfant s'impose, du conte pour enfant. Alors, c'est entre autres Dominique Perrache-Leborn qui a analysé ça. Quand on voit les premières gravures en 1823, celle de Cruickshank, et puis en 1851, celle de Richter, eh bien, on a des scènes de veillée, de comptage traditionnel. C'est-à-dire qu'on voit que c'est une culture orale, à la fois féminine, masculine, où des adultes se rassemblent pour partager des histoires à l'oral. Mais en 1862, alors là, on a le frontispice réalisé par Gustave Doré, et que voit-on ? Une grand-mère et des enfants. C'est-à-dire que les hommes sont absents de la scène, ça suggère qu'ils sont requis par des occupations sociales plus importantes, par la sphère du travail, et sont hors du foyer. Donc, voilà, finalement, le conte, c'est un genre mineur pour des groupes sociaux jugés mineurs, les femmes et les enfants. Et puis, l'autre changement spectaculaire, c'est que la grand-mère, ce n'est plus une conteuse.
c'est une lectrice. La grand-mère tient un livre. Et ce ne sont plus les expressions de son visage et ses gestes qui focalisent l'attention des enfants. Non, les enfants regardent le livre, cet objet. Voilà. Donc, c'est paradoxal parce que, finalement, le romantisme conteste la hiérarchie entre culture populaire et culture savante. Mais cette opposition, elle fait retour, mais sous une autre forme. C'est-à-dire que, désormais, on sépare les générations et on sépare les sexes. Et d'ailleurs, ce cloisonnement, il se fait aussi dans le choix des contes. Parce que c'est un moment où on commence à fabriquer des anthologies. Et qu'est-ce qu'on met en avant ? Eh bien, des destinées féminines, beaucoup d'histoires, voilà, Blanche-Neige, Cendrillon. Et puis, des aventures enfantines, Le Petit Poucé, Hansel et Gretel. Alors qu'en fait, il y a beaucoup de contes qui racontent des destinées masculines, mais ceux-là ne sont pas mis en avant dans les anthologies. Et c'est ceux-là, finalement, qui sont les plus connus. Parce que le succès à la fois de Perrault et de Grimm, et des Grimm, a été considérable. Les contes ont été réédités maintes fois. Et puis pas seulement dans des belles éditions. Hein. Ils ont aussi été réédités dans des livres de colportage. Il y a aussi des images d'Épinal qui circulent. Mais alors, ce qui est assez drôle, c'est que via ces livres de colportage, ces images, eh bien, les contes littéraires vont retourner aux traditions populaires dans lesquelles ils avaient puisé. Alors c'est intéressant de voir que les livres vont à leur tour influencer les contes oraux. Je peux prendre l'exemple de Barbe Bleue. Dans les contes populaires, Barbe Bleue n'a pas la barbe bleue. C'est un sorcier, c'est un diable, c'est un homme inquiétant, mais voilà. En fait, Barbe Bleue, c'est une invention de Perrault qui va chercher ce détail chez Apulée. Voilà, c'est un grand lecteur d'Apulée, d'Ovide. Et donc, en fait, c'est un dieu Portunus, le dieu des clés et des portes, qui est pourvu d'une barbe bleue. On a Portunus, Caereulis, Barbis, Ispidus, donc Portunus hérissé de sa barbe bleue. Donc, c'est une invention savante, un clin d'œil intertextuel de Perrault, mais on va retrouver cette barbe bleue ensuite dans des contes oraux que les folkloristes vont recueillir. Donc c'est assez fascinant, je trouve, de voir cette sorte de circularité. Alors pour clore là ce temps sur la circulation entre l'écrit et l'oral, je voudrais évoquer un autre phénomène d'imbrication de l'écrit et de l'oral. C'est ce qui se produit à partir des années 70 dans ce qu'on a appelé le renouveau du conte. Donc là, on est en 1968, c'est-à-dire qu'on veut encore contester autrement la hiérarchie entre culture savante et culture populaire. Et c'est un moment où on redécouvre des contes de tradition orale et où on redit que les contes s'adresse aussi aux adultes, hein, qui ne sont pas faits que pour les enfants. Donc, on va parler à ce moment-là des personnes qui comptent comme étant des néo-conteurs ou des néo-conteuses. Et c'est intéressant de... Enfin bon, il y a Jihad Darwish qui est là, je suis un peu impressionnée d'évoquer ce temps devant lui, mais je le laisserai l'évoquer en détail. Mais moi, ce que je voudrais juste dire, c'est qu'à ce moment-là, on a des conteurs et des conteuses qui reprennent des histoires dont ils ne se prétendent pas les auteurs, mais qui vont, pour certains et certaines, éprouver l'envie de les mettre à l'écrit et de les publier, et de faire paraître ces contes. Donc, de faire circuler leur version, si vous voulez, à la fois à l'oral et à l'écrit. Et donc, c'est assez, c'est une autre façon dont l'écrit et l'oral s'imbriquent. Et puis, il y a un autre phénomène à prendre en compte pour complexifier cette circulation entre l'oral et l'écrit. Eh bien, c'est le fait que le conte s'invite dans d'autres genres littéraires. C'est vraiment un squatter. Donc, il va, je ne sais pas, on va en parler cet après-midi avec Carole Martinez. Donc, il va dans le roman, il va dans le théâtre. Je pense à ce que fait Joël Pommerat, voilà, des contes pour le théâtre. Voilà, donc le conte, il est transgénérique. Et puis, il y a encore un dernier phénomène qui contribue à intensifier cette circulation très puissante entre
entre l'écrit et l'oral, c'est que le conte, il va aussi circuler dans plusieurs médiums artistiques, ce qu'on appelle la dimension intermédiale. C'est-à-dire que le conte, on va le trouver dans la gravure, dans la peinture, dans la bande dessinée, dans le dessin animé, dans le cinéma, dans la chanson. Bon, ça, c'est un aspect qui mériterait une conférence à part entière, hein, donc je ne fais que l'évoquer. Mais ça, voilà, ça accroît encore le caractère extrêmement instable et mobile et insaisissable, enfin peut-être pas instable, mais je dirais plutôt insaisissable et, du conte. En fait, il est partout, le conte. Voilà, moi, je le vois un petit peu comme un petit animal qui se faufile partout et qu'on ne peut pas encager, qu'on ne peut pas enfermer. Ou alors, je ne sais pas, on peut le voir aussi comme une plante grimpante ou des petites herbes qui vont pousser de façon obstinée là où on ne les attendait pas, entre un trottoir et le goudron. Voilà. Et puis d'ailleurs, cette mobilité, elle concerne aussi les lieux où on compte, puisque aujourd'hui, on compte dans des cafés, dans des rues, dans des salons de coiffure, dans des cages d'escalier. Pendant le confinement, il y avait des rendez-vous avec des compteurs qui sortaient dans les cages d'escalier pour compter à tout l'immeuble. Voilà. Donc, en gros, ça fait des siècles qu'on déplore la mort du conte. Et bon, il me paraît toujours bien vivant. Alors, je voudrais maintenant passer au troisième et dernier temps de mon intervention, dans lequel je vais me demander quel sens particulier cela peut avoir d'écouter, de lire et de raconter des contes aujourd'hui. Ah bon, il y aurait mille et une façons de répondre à cette question. On pourrait aussi dire tout simplement parce que ça nous procure beaucoup de plaisir. On pourrait s'arrêter là. Mais moi, j'ai choisi dans ce dernier temps de vous parler de deux enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur. D'abord, il me semble qu'à l'heure de MeToo et de la révolution féministe en cours dans de très nombreux pays, le conte est une façon particulièrement riche de réfléchir aux questions de genre. Et alors là, je ne parle pas du genre comme genre littéraire, mais le genre comme construction culturelle du masculin et du féminin. Et puis ensuite, il me semble que, à l'heure où nos existences sont numérisées, nos sociabilités en partie aussi, à l'heure aussi d'un désastre écologique qui semble bien avancé, eh bien, le conte est particulièrement précieux parce que c'est un art de la relation. Je reprends là une formule d'Henri Gougaud et je déploierai cette idée de relation dans différentes directions. Bon, alors d'abord, je mets les pieds dans le plat. Hein. Je vais évoquer un sujet très clivant, comme on dit. Mais il me semble que si on sort du format du tweet virulent ou du mot d'ordre qui paralyse, si on prend le temps de réfléchir sans caricaturer les choses, il me semble que ça peut être une question assez stimulante. Dans les années 1900, enfin à partir des années 1970, les pensées féministes ont pu conduire à une certaine méfiance à l'égard des contes, et notamment à l'égard des contes de fées. On a pu y voir le lieu refuge de représentations très stéréotypées du masculin et du féminin, au service d'un ordre social patriarcal, et qui serait cristallisé de façon exemplaire par les Walt Disney et leur cortège de princes et de princesses. Bon, à titre personnel, je suis très sensible aux questions d'égalité homme-femme et aux droits des minorités sexuelles. Par mon métier d'enseignante, je suis aussi au contact d'étudiantes et d'étudiants dont je vois à quel point ces questions les travaillent et les préoccupent sincèrement. Et puis, enfin, étant mère d'un garçon et d'une fille, j'ai aussi à cœur à ce que mes enfants grandissent sans être enfermés dans des normes étriquées de la virilité et de la féminité. Donc, je trouve ces questionnements légitimes, importants, et je pense que ce serait dommage de les balayer d'un revers de manche. Donc, je vois plusieurs façons de répondre à ces inquiétudes. On va les appeler féministes, mais c'est bien sûr trop court parce qu'il y a des féminismes, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs courants qui ne sont pas d'accord entre eux, etc. Mais bon, on va appeler, appelons ça les inquiétudes féministes. Donc je vois plusieurs façons de leur répondre
plusieurs niveaux de réponse. D'abord, je trouve primordial de rappeler que les contes sont avant tout de l'ordre du symbolique et que, finalement, à les recevoir de façon trop littérale, on manque sans doute le plus important. Dans cette perspective, le baiser que le prince charmant donne à la Belle au bois dormant ou à Blanche-Neige n'est pas un acte sexuel, n'est pas un acte même réaliste, c'est un acte symbolique. Il s'agit de donner un souffle de vie, et c'est cette rencontre, ce souffle de vie, qui va permettre de sortir d'un temps de latence. Et d'ailleurs, ce temps de latence, sans doute aussi qu'on le réduit trop vite à une stricte passivité. On sait qu'il se passe beaucoup de choses quand on dort, et cette suspension du temps, eh bien, on a un sommeil hyperbolique de 100 ans, ou alors une mort symbolique, mais ça peut renvoyer à une période décisive pendant laquelle la vie psychique est active, déterminante. Et on peut même penser que ce sont la Belle au bois dormant et Blanche-Neige qui, une fois qu'elles sont prêtes pour la rencontre, une fois qu'elles sont sorties de ce temps à la fois physiologique et psychique de latence, eh bien, ce sont peut-être elles qui font venir les princes à elles. Mais on peut aussi lire... je suis un petit peu embêtée de parler de consentement au sens juridique, alors que les personnages du conte n'ont aucune épaisseur psychologique, ne sont pas du tout des personnages réalistes, c'est des sortes d'ombres chinoises ou de silhouettes. Et donc, ce niveau symbolique, d'ailleurs, on peut même le porter à un niveau, si vous voulez, psychique, c'est-à-dire que le prince et la princesse, ce seraient des entités, le masculin et le féminin, qui nous habitent tous et toutes. Et finalement, c'est ces réveils, ces rencontres, ces mariages heureux qui clôturent les contes, on peut les comprendre comme des épousailles psychiques entre un sujet qui est enfin réconcilié avec des parts de lui-même, des parts qui étaient effrayantes, inatteignables, et qui auraient été finalement apprivoisées pour se réconcilier, une sorte d'unité psychique. Donc ce niveau-là de lecture, ce niveau symbolique, il me semble vraiment très important, et pour ma part, c'est beaucoup à ce niveau-là que les contes me parlent. Mais je conçois qu'ils ne suffisent pas à répondre aux inquiétudes féministes, puisque, on l'a vu, le conte véhicule aussi des modèles de comportement. Il a aussi une dimension normative qui est à la fois morale, sociale. Et donc, la lecture symbolique des contes ne peut pas complètement éclipser la lecture sociale des contes, qui a été en plus historiquement très importante dans les usages que les groupes humains en ont fait et continuent d'en faire. Donc, si on se situe maintenant à ce niveau social, je vois au moins trois façons de répondre. Premier argument, je trouve important de rappeler que les contes ont été pendant des siècles l'objet d'une transmission surtout orale. Donc les illustrations, les adaptations en dessin animé, les films, finalement c'est des choses très récentes. Et il ne se passe pas du tout la même chose dans la réception d'un conte selon qu'on le lit, qu'on en voit des images ou selon qu'on l'écoute. Quand on écoute un conte, on doit faire tout un travail d'élaboration psychique. On se forge ses propres images mentales. On peut s'identifier à plusieurs personnages, qu'ils soient féminins ou masculins. Et donc, c'est évidemment très différent de regarder un livre, un dessin animé. On est beaucoup plus happé par des modèles féminins et masculins. Et puis en plus, il faut quand même bien dire que le conte pour enfants et le film pour enfants sont au cœur d'un marché très lucratif, et donc on a des images de qualité très variable, et il y en a quand même beaucoup qui sont d'une grande laideur. Et puis à ces images, il faut encore ajouter la quantité impressionnante d'objets manufacturés que produit l'industrie, les jouets, les produits dérivés, les déguisements, les accessoires type robe de princesse, diadème en plastique, etc. Donc on voit que très loin du conte oral, la production industrielle d'images et d'objets
joue un rôle non négligeable dans le figement des normes de genre. Deuxième argument pour remettre en perspective cette lecture sociale du conte, il me semble intéressant de prendre acte du fait que chaque époque a fait les contes dont elle a besoin et que les contes ont toujours été l'objet de réinterprétations constantes. Par exemple, Perrault, on a vu qu'il sociologise et psychologise l'intrigue. Les Grimm, eux, ils vont plutôt christianiser les contes de tradition orale. Donc, ce n'est pas un fantasme de féministe énervée que de voir dans les contes des façons de codifier les comportements féminins, masculins. Mais en revanche, ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter de lire les contes de fées. D'abord, il me semble quand même que c'est très différent d'en faire une lecture critique et puis, voilà, d'appeler à la censure. C'est déjà deux choses différentes. Donc on peut faire une lecture critique féministe des contes tout en continuant à lire des contes. On va en écouter. Puisque ces codifications sociales sont très variables selon les époques, eh bien, continuons à réinterpréter les contes. Et cela est fait à la fois par les conteurs et les conteuses. Mais ça se fait aussi dans l'activité même de lecture. C'est-à-dire que quand on lit un conte, on peut en faire... Je vais parler par exemple des contes de Perrault et de Grimm, parce que c'est essentiellement eux qui sont au cœur de ces questionnements. On peut en faire une lecture contextualisante, c'est-à-dire tel conte a tel sens dans tel contexte. Mais on peut aussi en faire des lectures actualisantes, c'est-à-dire à quoi nous renvoie ce conte au début du XXIe siècle. Alors, par exemple, quand on lit La Barbe Bleue de Perrault aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont frappantes. D'abord, c'est la complaisance de la description du moment où Barbe Bleue s'apprête à tuer la jeune femme, la tire par les cheveux. Donc il y a un suspense insoutenable. Et on voit que la violence du féminicide est très érotisée. Crime passionnel, quoi, en gros. Perrault nous suggère finalement à la fin dans la morale qu'il n'existe plus, je le cite, d'époux si terrible. Fut-il malcontent et jaloux, près de sa femme, on le voit filer doux. Et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. Là, on reconnaît bien l'ironie de Perrault, mais il semble presque regretter que l'autorité masculine s'affaiblisse. Donc cette lecture critique peut être appliquée à bien des contes. Par exemple, pourquoi Cendrillon devrait-elle nécessairement trouver définitivement chaussure à son pied ? Pourquoi le célibat féminin ne semble jamais valorisé pour plusieurs jeunes protagonistes des contes les plus connus ? Dans la mesure où les contes de Perrault et de Grimm et puis leurs adaptations au cinéma ont vraiment modelé en profondeur nos imaginaires collectifs, moi, je trouve très fructueux de prendre conscience du fait que beaucoup de contes célèbres véhiculent ce qu'on pourrait appeler des normes hétéronormatives. Mais pourtant, pour autant, cela ne veut pas dire qu'on doive réduire, en l'occurrence les contes de Perrault et de Grimm, à cette approche critique. Par exemple, La Barbe Bleue, je trouve que c'est un conte infiniment riche sur la dimension très trouble du désir, et qu'à ce titre-là, il nous parle encore aujourd'hui. Cendrillon des frères Grimm, c'est un conte qui nous parle d'une jeune fille qui est prise dans un deuil maternel. Elle a perdu sa mère, elle est dans un dévouement à cette mère, dans une fidélité à la morte. Et puis ce qu'on raconte, c'est aussi qu'elle va dépasser ce deuil et renouer avec le monde extérieur et avec la rencontre de l'autre. Voilà, donc les contes peuvent nous parler encore aujourd'hui. Et puis, c'est aussi intéressant de voir que l'imaginaire du conte donne lieu à maintes réappropriations, y compris par les minorités sexuelles lesbiennes et trans. Alors, je songe par exemple à un beau court-métrage de Camille Ducellier qu'on peut voir sur Internet et qui s'appelle « Sorcière queer », dans lequel on suit un couple de personnes trans, fait ses valises, puis part camper dans la forêt, au bord d'un lac.
et puis lorsque la nuit tombe, se préparent pour une fête voilà, dans laquelle elles vont revêtir des habits très féeriques. Et donc, là, on voit bien que le merveilleux, finalement, n'est pas une assignation au genre, mais que ça peut être un lieu de réinvention de soi, de brouillage des genres, et un lieu voilà, où on peut rêver son identité aussi. Mon troisième argument, et le dernier argument pour répondre aux inquiétudes féministes quant à ces stéréotypes sexués véhiculés par les contes, alors là, il se situe plutôt au niveau des répertoires. L'univers des contes est infiniment plus riche que les anthologies qui rassemblent les contes les plus connus, et qui donc sont souvent centrés sur des histoires de princesses, d'enfants. On peut aussi appeler à ouvrir les répertoires, les ouvrir socialement, les ouvrir géographiquement, pour voilà, étendre notre connaissance des contes, et puis découvrir aussi des versions orales qui sont souvent méconnues, alors qu'elles sont d'une richesse incroyable. Alors, puisque cette journée se demande qui a encore peur du loup, je vais prendre l'exemple d'une version orale du Petit Chaperon Rouge qui figure dans le catalogue raisonné populaire du conte, du conte populaire français qui a été établi par Paul Delarue et Marie-Louise Ténez. C'est une version qui a été recueillie par Achille Millien, folkloriste, dans la Nièvre en 1885, auprès de Louis et François Briffaut. Alors, dans cette version, la petite fille est affamée lorsqu'elle arrive chez sa grand-mère. Et sur les conseils du loup, qui d'ailleurs s'appelle le bzou dans cette version, eh bien, elle mange la chair de sa grand-mère et elle boit le sang de sa grand-mère que le loup avait soigneusement mis de côté pour elle après avoir dévoré la grand-mère. Alors, il y a un animal qui, selon les versions, peut être un oiseau, un petit chat qui vient la voir et qui crie à la petite fille « tu manges le sang de ta mémé voilà. !» Mais elle ne perd pas du tout l'appétit, au contraire. Et donc Bernadette Bricout, qui a étudié en détail ce conte et ses variantes, toutes ses variantes, elle a déployé le sens de ce festin cannibale. La petite fille, lorsqu'elle mange les organes de sa grand-mère, lorsqu'elle boit son sang, eh bien, elle fait sienne ses propriétés de gestation. Donc symboliquement, elle fait sortir la grand-mère de scène. Et ce qu'elle signifie, c'est que c'est à elle maintenant, c'est elle qui est en âge de s'intéresser au loup, c'est elle qui est en capacité de porter des enfants. Voilà, exit la grand-mère. Et puis ensuite, on a une scène de striptease où elle va ôter un à un ses vêtements. Et pour chaque vêtement, le loup lui répète « Jette-les au feu, tu n'en as plus besoin maintenant. » Alors parce que ce qu'elle jette dans l'âtre, eh bien, ce sont ses habits d'enfance, de petite fille. Et elle ne les remettra plus jamais après être allée dans le lit du loup. Alors à la fin quand même, quand le loup lui annonce qu'il va la manger, alors là, elle prétexte soudain un besoin pressant, elle a besoin de sortir. Alors le loup lui répond, écoute, t'as qu'à faire au lit. Alors elle lui dit, mais je suis grande maintenant. Il dit, mais c'est pas grave. Bon, et puis finalement, il lui attache un fil de laine autour du pied et il la laisse sortir. Mais évidemment, la petite fille défait le lien et s'enfuit. Pendant que le loup s'impatiente, que fais-tu? Tu chies des cordes. Voilà, donc. Alors, évidemment, Perrault a supprimé ces séquences d'anthropophagie, ces séquences scatologiques, parce qu'évidemment, ça pouvait choquer un lectorat raffiné. Mais on réalise ce qu'on perd, c'est-à-dire qu'en fait, avec la censure de Perrault, ce qu'on a perdu, c'est tout l'enjeu anthropologique de ce conte, à savoir une passation symbolique entre femmes, entre générations de femmes. Et puis ce qu'on perd aussi, c'est l'éloge de la ruse et de l'autonomie féminine, puisque la petite fille triomphe seule du loup. On n'a pas besoin d'un chasseur-sauveur, une figure paternelle comme chez les Grimm. Et finalement, elle était curieuse de voir le loup, et puis elle a changé d'avis, c'était du jeu, c'était pour de rire. Et quand je lis ce conte avec des étudiants aujourd'hui, ils me disent, mais en fait, c'est un conte sur le consentement. C'est-à-dire que, elle a voulu aller voir ce lien, mais finalement, elle coupe ce lien qui l'aliène, c'est vraiment un dénouement littéralement, elle défait le lien, et puis ce qu'elle fait affirmer, c'est son droit de changer d'avis et sa liberté.
Et puis, alors, c'est, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que c'est pour d'autres étudiants, ils vont voir au contraire un conte sur l'inceste, c'est-à-dire cette proximité inquiétante dans le lit avec un corps qui est à la fois familier mais dérangeant, un corps qui devrait être protecteur mais qui se révèle prédateur. Bon, voilà, donc il y a encore plein d'autres façons de lire ce conte. Donc, ce que je veux vraiment, sur quoi je voudrais insister, c'est sur la richesse des versions orales. Bien souvent, en fait, ces versions orales contredisent complètement l'idée que les contes seraient un héritage patriarcal pétrifié. Donc c'est plutôt notre méconnaissance de cette immense culture orale qui nous donne cette impression trompeuse et simpliste. Ça serait aussi intéressant d'aller voir que dans les contes de tradition orale, il y a beaucoup de figures féminines très ambivalentes. On a des sorcières, des fileuses, des ogresses, mais qui sont aussi nourricières. Bon. Et donc, toutes ces, on en reparlera cet après-midi avec Carole Martinez et Myriam Ruby. Mais finalement, on voit qu'il y a plein de figures féminines qui ne sont pas seulement maléfiques. Et qu'en fait, elles sont à la fois entre la vie et la mort. C'est un peu, un peu l'intercession entre plusieurs mondes. Elles sont en lien avec les forces élémentaires, avec les terres cosmiques, avec les pouvoirs cosmiques, pardon. Et donc, en fait, elles nous permettent aussi de... On peut les voir comme des sortes de divinités matriarcales. Bref, pour résumer ce dernier argument, quand on travaille à défaire, à critiquer les stéréotypes genrés, eh bien, le conte est vraiment un endroit passionnant et très riche. Et il y a tout un répertoire à découvrir et dont on peut se nourrir. Alors j'en arrive peut-être à la dernière idée que je voudrais vous présenter, c'est pourquoi lire des contes aujourd'hui, outre le fait que ça peut nourrir nos réflexions les plus contemporaines. Eh bien, c'est que le conte est un art de la relation. Alors, d'abord, le conte nous met en relation avec notre vie psychique. Parce que la grande puissance du conte, c'est d'offrir une représentation oblique de ces réalités humaines, de les symboliser. Alors finalement, le conte, eh bien, il s'élabore selon des mécanismes qui sont très proches de ceux du rêve. C'est entre autres ce que montre Nicole Belmont. On retrouve le mécanisme de figuration, c'est-à-dire le fait qu'on se forge des images mentales. Et puis on retrouve le mécanisme de condensation, c'est-à-dire que les scènes se succèdent en étant dépourvues de commentaires, d'explications logiques, d'explications psychologiques. Et donc, le conte ne s'encombre pas du principe de vraisemblance, ni de la lourde machinerie réaliste de l'intrigue qu'on trouve, par exemple, dans les romans réalistes ou dans les séries. Et donc, c'est par cette condensation et cette faculté de figuration qu'il permet d'apprivoiser les peurs, les fantasmes qui sont tapis dans la nuit de la psyché. Et c'est d'ailleurs cette puissance de symbolisation qui peut expliquer le goût très vif que les enfants ont pour le conte, hein, parce que j'ai dit que les contes ne s'adressaient pas spécifiquement aux enfants, mais il est vrai qu'ils leur plaisent beaucoup. Et on peut le comprendre de plusieurs façons. D'abord, c'est un univers qui présente souvent des oppositions très marquées, ce qui le rend déchiffrable. Et puis, on a souvent un schéma narratif qui offre une trame plutôt optimiste à l'enfant, puisque les petits, les pauvres, les bossus, les laids, les bêtas, eh bien, ils peuvent s'en sortir. Les marmots, ils peuvent s'en venir à bout des plus puissants et surmonter les épreuves. Et puis, le conte permet de symboliser des réalités qui sont difficilement discibles. L'ambivalence de l'amour. Le fait, c'est pratique en fait, d'avoir une figure de marâtre et une figure de mère biologique, parce qu'on peut critiquer la mère biologique via la marâtre, et donc on peut accéder à cette ambivalence par le fait qu'on a deux figures très séparées. Mais aussi la peur de l'abandon, la peur de la castration, l'interdit de l'inceste. Bon, alors ces enjeux, ces enjeux ont été très vulgarisés par l'essai de Bruno Bettelheim, psychanalyste des contes de fées. Mais peut-être le risque de cet essai, c'est d'enfermer le conte dans c'est bien pour les enfants, alors que c'est évidemment pas seulement pour les enfants que c'est important d'écouter, de lire des contes, c'est aussi décisif pour les adultes.
Et on peut dire la même chose de l'acte de raconter les contes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les travaux de l'ethnolinguiste Suzy Platiel. Elle a travaillé sur une ethnie, les Bananes, au Burkina Faso, les Sanam, excusez-moi, au Burkina Faso. C'est une ethnie dans laquelle les enfants sont très vite mis en position de raconter des contes. Et ils sont accompagnés dans cet apprentissage. Et donc, Suzy Platiel a exploré dans ses travaux toutes les capacités que cet apprentissage permet de développer. La capacité de concentration, la maîtrise du langage oral, du langage corporel. Le fait aussi que ça permet de verbaliser des affects, des conflits, que ça participe à un apprentissage de la non-violence à l'école. Et donc je signale rapidement l'existence du projet européen Seeds of Telos, graines de conteurs, qui en France est entre autres porté par la revue La Grande Oreille. Et donc c'est un projet qui a pour but d'aider les enseignants à mettre en place des temps du conte à l'école primaire, à l'école secondaire. Il y a un site internet avec plusieurs conseils pratiques que moi j'utilise aussi dans mon atelier conte à la fac pour conseiller les étudiants qui se lancent à raconter sans texte. Donc parce que là encore, raconter, pourquoi réserver cette activité aux enfants ? Ça peut sembler important pour les adultes de continuer à enrichir leur intelligence relationnelle, émotionnelle, de se laisser habiter par les contes, de les rêver, de les ruminer. Et Henri Gougaud, avec qui j'ai eu la chance de faire un stage, dit souvent que quand on a pris le temps d'écouter quelqu'un raconter son conte, quand on a prêté attention à son histoire, eh bien, on ne peut plus lui casser la gueule après. Et donc, c'est un univers qui nous permet de nous relier à l'enfance, aux rêves, aux autres. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose de notre humanité qui se joue dans cette transmission orale des contes, et sans doute qu'on en est encore plus conscient après les multiples confinements successifs. Alors, peut-être une des dernières... disons encore peut-être 2 minutes pour expliquer peut-être, parce que là j'ai surtout parlé du conte comme art de la relation à soi et aux autres humains dans le cercle de la raconter. Mais pour finir, il y a quand même quelque chose que je voulais dire, c'est pourquoi lire des contes aujourd'hui, c'est aussi parce que ça nous relie à notre condition de terrestre. Parce que certes, on a vu que le conte pouvait être instrumentalisé dans des constructions nationales au XIXe siècle, mais en fait, il a pu à un moment être utilisé pour prouver l'ancienneté, l'authenticité d'un peuple. Mais en fait, le conte défie toute réduction nationaliste parce qu'il circule, c'est vraiment un genre impur, nomade, sans papier, sans passeport sanitaire, il n'appartient à personne. Il y a toujours une autre version à des milliers de kilomètres de là. Par exemple, la version la plus ancienne de Cendrillon, c'est une version chinoise qui date du 9e siècle. Voilà, donc parler de la vraie version ou la bonne version d'un conte, ça n'a aucun sens au vu de cette circulation planétaire. Et donc, je trouve important de prendre conscience qu'on est un peu tous sur le même bateau et que le conte nous y aide. Et puis, quand je parlais de la condition de terrestre, il y a beaucoup de contes qui sont aussi une façon de cultiver une relation avec le monde environnant. C'est-à-dire que souvent, il y a un dialogue qui se tisse avec les lieux, avec les animaux, avec les plantes, avec les cailloux, avec les rivières, avec les esprits de la forêt, avec bien d'autres créatures encore. Et donc, face aux désastres écologiques en cours, peut-être que la littérature est aussi en train de retrouver certaines fonctions qu'on croyait anciennes, à savoir que, je ne sais pas si on lit des romans, il y a beaucoup de romans, disons, qui sont faits par des humains, pour des humains, qui racontent des histoires d'humains, comment s'intégrer dans une société, comment être un transfuge de classe, comment la position de l'individu dans la société. Mais je trouve intéressant que le conte nous renvoie à cette fonction rituelle des histoires, du récit,
qui est de nous relier au vivant qui nous environne et qui n'est pas seulement humain. Ce serait aussi une façon de nous faire concorder avec ce milieu de vie. En guise de conclusion, je voudrais insister sur le caractère inépuisable des contes. C'est vrai que plus les années passent et je n'en reviens toujours pas. En fait, c'est impossible d'en faire le tour, quoi. Et donc, que ce soit au niveau des corpus et puis des lectures des sens qu'on peut y trouver, chacun individuellement, collectivement. Voilà, c'est vraiment ce caractère inépuisable qui me frappe. Et puis, je voudrais citer une question que Walter Benjamin pose dans un texte. C'est un texte qui s'intitule « Expérience et pauvreté ». La question qu'il pose, j'y pense souvent, et c'est la suivante. Que vaut tout notre patrimoine culturel si nous n'y tenons pas par les liens de l'expérience ? Moi, j'espère avoir montré à quel point nous tenons au compte par ces liens de l'expérience. Je vous remercie. Avez-vous des questions ? Des échanges, des remarques ? Oui, alors on a redécouvert ça. Enfin, chaque conteur et chaque conteuse a un peu retrouvé certains contes qu'il avait envie de raconter à tel moment. Donc il y a un numéro de la Grande Oreille qui est paru après le premier confinement et dans lequel on trouve plusieurs témoignages, de conteurs et de conteuses. Alors pour certains. Ils ont adopté Zoom. D'autres, au contraire, ont refusé Zoom. Enfin, voilà, certains ont dit voilà, c'est mieux que rien, finalement, et on peut au moins se retrouver comme ça. D'autres ont dit au contraire, moi, je ne veux pas. Voilà, pour moi, le conte, ce n'est pas quelque chose qui peut être pixelisé. Je ne veux pas être en relation avec des pixels. Et donc, certaines personnes ont fait le choix, par exemple, de raconter. Alors, bon, dans leur cage d'escalier, je pense entre autres à Marie Thomas à Pau, qui, voilà, chaque jour, sonnait le gong et racontait une histoire pour toutes les familles de son immeuble. Mais il y a aussi d'autres conteuses comme Karine Mazel qui, elle, a fait le choix de, puisqu'on avait le droit de sortir une heure par jour, eh bien, elle retrouvait des amis et elle leur racontait une histoire. Voilà. Donc ça, c'est pour les pratiques. Et puis, bon, pour les contenus eux-mêmes, oui, il y aurait plein de contes. Là, je pense à un conte où on a un homme qui part en pèlerinage. Et quand il quitte son village, il croise une femme vêtue de blanc et il lui dit « Mais bonjour madame, qui êtes-vous » Et elle lui dit « Je suis la peste ». Et « Ah bon, mais bonjour madame, mais où allez-vous »« Je vais dans ton village ». Alors s'il vous plaît, ne prenez pas toutes les vies. Alors elle dit « Non, mais ne t'inquiète pas, je n'en prendrai que 99 ». Donc l'homme part en pèlerinage. Il revient un an après et là, il trouve son village complètement dévasté. Les toits sont crevés, les herbes poussent entre les pavés. Et il voit cette silhouette blanche avec sa faux et il lui dit « Mais Madame la Peste, vous m'avez menti. Vous m'aviez dit que vous ne prendriez que 99 vies et il n'y a plus personne. » Et elle lui dit « Mais non, je ne t'ai pas menti. J'ai pris 99 vies, mais tous les autres sont morts de peur. » Voilà, bon, ça c'est une des histoires qui a recirculé. Et bon, il y en aurait d'autres. Il faudrait poser la question aux conteurs et conteuses du jour. Je peux relayer les questions parce qu'on ne veut pas vous passer les micros forcément. Non, mais ça va peut-être. Attends, ça va être plus simple si je parle. Vous m'entendez ? Ouais. En fait, c'est une remarque.
Oui. Mais non, mais effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles je pense le conte continue aussi à nous parler, c'est que effectivement, c'est toujours le marmot, le lait, le pauvre qui peut s'en sortir, et que ce n'est pas un usage de la force brute ou de la puissance sociale qui est valorisée. Et puis d'ailleurs, cette attention aux petits, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que même on le trouve encore même chez Perrault, mais c'est aussi l'attention aux petites choses, aux cailloux. Le petit chaperon rouge s'arrête pour cueillir des noisettes, des petites fleurs. Elle s'arrête pour regarder la beauté de la forêt et ces petites choses-là. Ça fait vraiment partie de l'éthique du conte que cette attention aux petits, aux minuscules, qu'ils soient humains ou autres qu'humains. Et d'ailleurs, pour prolonger cette... oui, souvent on va dire oui, je sais pas, parfois quand je lis des commentaires composés faits par des étudiants, parfois certains vont me dire bon, donc là la morale du conte c'est ceci, presque il l'encadre en rouge, voilà. Mais il y a une distinction que j'aime bien qui est faite par Deleuze et Guattari. Ils disent que finalement la morale c'est un ensemble de valeurs, bien le mal qui préexistent, qui sont construites socialement, et l'éthique c'est une quête de valeur, c'est-à-dire que c'est l'objet d'une quête à la fois individuelle et collective, c'est-à-dire que, Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a beaucoup de contes qui se contredisent. Dans certains, le mensonge est condamné, dans d'autres, le mensonge, au contraire, est la ruse qui va permettre de s'en sortir. Et donc, je pense qu'on a beaucoup à gagner à se mettre à l'écoute du conte dans cette quête éthique collective dans laquelle on est engagé. On a beaucoup parlé du conte traditionnel. Maintenant, il est possible d'écrire de nouveaux contes. Et je pense en particulier au livre de Claude Stern, qui le conte chaud et doux des chauds doudous, qui est édité en 1984. Est-ce qu'on peut, dans notre société actuelle, où justement les féministes parlent plus fort, inventer des contes à notre tour? Ah oui. Bon, déjà, est-ce que les féministes parlent plus fort? Je ne sais pas si c'est elles qui parlent plus fort, mais en tout cas, on les entend un peu plus. Et puis, est-ce qu'on peut inventer des contes? Bien sûr, et simplement, peut-être qu'on sera dans une autre démarche, c'est-à-dire, soit on veut se connecter à des tablettes et à des écrans, mais à des histoires qui ont traversé les siècles, et on se dit que si elles ont traversé les siècles, c'est qu'elles ont encore des choses à nous dire et qu'elles sont importantes. Mais on peut être aussi dans une démarche d'invention. Alors ça, c'est, mais à ce moment-là, moi, je parlerais peut-être plus de contes littéraires. Et bien sûr, enfin, tout est permis. Enfin, ne pas écrire, en fait. Oui. On peut ne pas écrire. Non. Enfin, oui. En fait, peut-être au compte littéraire, disons, parce que là, je pense aussi à toute la tradition. Enfin, ouais, là, il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des contes, que moi, je rattache pas forcément à la conte de tradition orale. Mais oui, vous avez raison. On peut tout à fait. Mais disons que ça serait pour moi des contes qu'on va dire d'écrivains ou d'écrivaines s'ils sont publiés, ou si c'est des contes oraux, c'est des contes forgés par des individus. Et je sais pas, moi j'ai inventé des histoires pour mes enfants par exemple, ce que je pensais pas être capable de faire avant d'être mère. Mais simplement, après, la question c'est, est-ce qu'on va les partager, est-ce qu'on va les diffuser collectivement, ou est-ce que, mais effectivement on peut aussi en lancer, en inventer. Mais en fait je pense que là, il faudra vraiment interroger Jihad Darwish, Myriam Ruby, sur cette question. Moi ce qui m'interroge c'est de savoir si ce sont vraiment des contes. Est-ce qu'on peut, sans la distance du temps, être sûr que ce qu'on a raconté est un conte? C'est peut-être pas important, je sais pas.
Oui, c'est-à-dire, bon, moi, je ne suis vraiment pas là pour mettre des tampons, des valider ce qui est un conte, ce qui n'en est pas. Voilà. Mais, je sais que c'est pas la question, enfin, c'est pas la position dans laquelle vous me placez, mais en tout cas, j'ai surtout pas envie de l'occuper. Il y a de toute façon, il y a cette énigme de la nuit des temps, et parfois il faut attendre d'avoir des premières versions écrites orales pour que des versions orales soient attestées, à moins que des transmissions orales se continuent. Il y a aussi de Je pense que peut-être moins en Europe, mais en Europe aussi, en fait, il y a aussi des lieux, des cultures familiales où on va continuer à se transmettre des histoires de génération en génération. Mais en tout cas, le conte, c'est plutôt quelque chose d'assez clos formellement, quoi. Enfin, il n'y a pas un feuilleton en épisode, mais je ne sais pas si j'ai répondu. Oui, vous répondez. C'est un peu ce que j'essayais de répondre à madame, mais oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je n'ai rien à ajouter. C'était malheureusement la dernière question. Donc, merci beaucoup, Inès. Merci. Juste quelques minutes pour changement de bonnet, de micro et tout ça, après les applaudissements, effectivement.